Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur ma map Ramsès 2. J'aime bien commencer les vidéos quand le soleil se couche ou quand le soleil se lève. Là, il est en train de se lever. Et je trouve que les couleurs sont magnifiques. Alors moi, je suis une dingo du ciel. Oh, le ciel, la lune et tout ça. Oh là 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 là. J'adore ça. Les couleurs qu'il peut y avoir au matin et tout ça. C'est trop magnifique. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on se retrouve aujourd'hui. Regardez, j'ai commencé à faire un pont là-bas. J'ai commencé seulement. Et un truc bizarre, quand même, un truc très très étrange même, je dirais. C'est que quand j'ai tourné la vidéo dimanche, je ne sais pas, c'est parce que c'était pas qu'ils étaient tous contents. Il y avait énormément de PNJ là. Donc j'ai commencé à faire mon pont. Ah, il y en a quand même un, il y a toujours lui là. Pas. Habillé en blanc, me fait un peu flipper quand même. T'es apparu le jour de Pâques, hein, quand même. Je sais pas. Non, j'allais dire une connerie, mais je vais peut-être en vexer certains et je ne le veux absolument pas. Allez, on va installer ça. Alors, vous avez mangé du chocolat? Nous, on a mangé du chocolat aussi. Ouais. Alors, comme vous le savez, moi je suis anti-huile de palme. Attends, je suis aussi anti-pont en première vue. Parce que là, je crois que je suis pas assez haute. Ah ouais. Ouais, tu vois, j'ai fait autrement. Là, je suis trop au ras du bord. Et si tu veux, je vais te montrer pourquoi il faut pas faire comme ça. Si tu fais hop, et hop, t'es bord. Ouais. Et c'est pas un pont pour le mourage, tu vois. Donc, faut faire ça mieux. Mourage, mot qui n'existe pas. Je pense à vous et à vos chastes oreilles et à vos correcteurs lors des bacs blancs et des bacs tout court. Hein. Hop là. Voilà. Oui, nous, on est anti-huile de palme. Donc, bien évidemment, tous les chocolats fourrés. Avec du praliné et tout ça, généralement, c'est à l'huile de palme. Malgré tout, nous en avons quand même trouvé sans huile de palme et un petit peu vachement bon, tu vois. Ah, donc, on s'est grave régalé. Marc a même trouvé des œufs de Pâques pralinés. À l'amande, aux amandes. Eh ben, ouais. Je n'ai pas trouvé ça extra. Mais bon, ça change un petit peu du praliné aux noisettes. Et bien, c'était quand même pas dégueulasse. Voilà. Bon, et ben, en attendant, regarde comment que je fais bien mon pont. Et regarde comment qu'il n'y a pas de PNJ. Ça m'embête un petit peu. De plus, là, il fait jour, donc on s'en rend pas compte. Mais j'ai fait mon pont de nuit. Et c'est quand même très sombre, cet endroit. Donc il va falloir que je gère un petit peu la luminosité de la zone. Bon, bah, sur le pont, c'est pas compliqué. On va faire tout comme l'autre. Ici et là. Les filles ont eu des petits cadeaux aussi à Pâques. Moi, quand j'étais petite, tous les ans à Pâques, chez ma grand-mère, la cloche, elle m'amenait des chemises de nuit. Et très longtemps ça a duré parce que j'en ai encore une maintenant. Entre-temps, j'ai vachement changé de taille dans le bon sens puisque j'ai perdu de la taille. Et elle est trop large, mais je la garde parce que comme ça me fait un souvenir de ma grand-mère. Voilà. Ma grand-mère en plus avait de très bons goûts pour acheter des chemises de nuit. Et ah, attends, c'est pas ça que je voulais faire. Et donc ça fait vraiment une belle chemise de nuit, je la garde en souvenir. Ah, d'accord. Bon, mais attends, on va changer. Je vais pas tout changer parce que sinon le pont qui est là par l'arrivée divine de PNJ dans le coin va nous prendre trop de temps. Ah! Voilà. Donc il faut que je fasse ça et ça. Et ça, et ça.
Est-ce que j'ai enlevé la torche? Non, je vais le faire. Ça fait trop de lumière. Ça reste quand même un petit pont installé là par pas par magie, mais quasi, quoi. Bon, est-ce qu'il est praticable ce pont? Ah, il est même praticable quand on court vite. Par contre, il y a un truc qui me convient pas trop. C'est là, on va mettre double épaisseur. Et est-ce que là, ça me fait un bloc? Ouais, un bloc entier. Hop. Bon, dans l'épisode de dimanche, j'ai un petit peu beaucoup râlé. Je suis vraiment désolée. Il y a des fois, ça fait du bien de dire ce qu'on pense. Et c'est vrai que je me dis parfois, vous devez en avoir marre de m'entendre râler comme ça. Je suis vraiment désolée. Promis, je vais essayer d'arrêter. Ah, c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, bah, ça me dépasse, mais d'une force, mais... Et du coup, attends, je vais faire un test. Oh, ouais, je vais faire un test. Je vais faire un test, ce sera mieux comme ça. Attends, je vais dégager le seau d'eau, parce que ça, c'est des coups à faire des bêtises. Ah oui, du coup, là, tu vois, je peux mettre une liane. Parce que ça me fait un bloc à cet endroit-là. Et ici, j'ai fait comment? Je sais pas, parce que j'ai pas fait du tout pareil les deux ponts, donc... Oh, c'est pas grave. Oh, tout plein les poules, elles sont restées là. C'est mignon, tout plein. Ouais. Tiens, j'entends Violette qui rigole là-haut. Elle a eu des petits cadeaux. Elle est peut-être en train de jouer avec ce qu'elle a eu à la cloche. Violette est dingue de Pet Shop, alors... Entre autres. Oh, coucou Hippolyte! Hippolyte, il capte rien là. Pauvre Hippolyte, il est tout fou à côté du PNJ qui est dingue. Oh non, le PNJ, tu vas nous le rendre fou, notre Hippolyte. Oh! Oh, bah oui, mon petit père. Tiens, je viens de faire un petit colis. Ouais, bah il. Encore plus. C'est géant ça. J'adore. Bon, on va peut-être pas rester là pendant 15 jours, mais le pauvre golem, il est complètement perturbé. Mais il est amoureux. Là, il est amoureux. Bon, ben voilà. Vous vous êtes casse-pieds avec la porte là, un petit peu. Bon. Donc j'avais que ça à vous montrer en fait pour aujourd'hui. Je ferai peut-être une autre vidéo dans la semaine, enfin avant dimanche pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon temple tout là-haut qui n'est pas continué du tout. Hein. Parce qu'avant j'aimerais bien finir le flanc d'Isis Compaseum. C'est vrai que c'est un morceau que j'ai commencé il y a quand même un petit bout de temps. Quand on pense que là-bas il y a la pâte Menmek qui est même pas décorée à l'intérieur, il n'y a rien. Du coup, il va y avoir un arrivage de poules massif partout. Là, ici, ça n'a pas bougé. Je vérifie quand même. Et là, c'est toujours pas ouvert. Hein. Ou si ça a été ouvert, je me rappelle plus. J'ai ouvert ou pas? Non, j'ai pas ouvert. Eh ben, dans la prochaine vidéo, on ouvrira ici, on fera les chemins, parce que c'est vrai que ça me perturbe quand même de laisser ça fermé et d'emprisonner des animaux. Les animaux en cage, je n'aime pas ça du tout. Et... Oh non! Oh, l'effet à 2 balles, j'ai cru qu'il y avait un PNJ. J'étais contente. Ah, ça m'étonnerait, ils viendront pas jusqu'ici. C'est dommage. C'est dommage. Bon, ben, il n'y a toujours rien de nouveau là-dedans. Ici, c'est toujours pareil. Il va y avoir des modifications au niveau des fauteuils gigantesques. Il y a trop de luminosité. Moi, je veux garder ça un petit peu sombre. Et du coup, ça fait un peu trop sérieux. Enfin, comment dire? Non, pas sérieux. Rigide, voilà. C'est de la pierre, ça, je sais. Mais ah, y a un petit truc qui me plaît pas. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé encore comment le modifier. Voilà. Mais je vais trouver, hein. Faut que je réfléchisse et puis ça va venir.
Il y a des fois les idées me viennent comme ça, comme par magie, et j'adore. Bon, eh ben allez hop, le Flandisis Compaseum n'est pas continué, mais ça ne va pas tarder. Le temple à Patmenmé, il sera terminé un jour. Eh ben si, si, c'est ouvert. Hein? Oui, complètement naze. Non, mais je suis tout à fait consciente de ma nazitude. Oui, non, mais il y a des fois. Je fais tellement de choses en même temps là-dessus que à force, je m'en mêle un petit peu. Et ça, je suis désolée, c'est un petit peu logique. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, dans le prochain épisode, nous n'ouvrirons pas cet endroit-là puisque c'est déjà fait. Et les vaches se promènent et tout, et puis les animaux ne se sauvent pas pour autant. Donc c'est très très bon signe. Il faut que je fasse le chemin pour qu'il aille de là à de là-bas. Et puis voilà. Bon allez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite un très très bon mercredi. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour la suite. Merci d'avoir regardé cet épisode. Gros bisous, à plus. T'as vu le lapin, il se barre un peu quand même, hein. Je dis sauve pas et là t'as un lapin qui se fait la malle. Oh, petit saligaud! Bon allez, à plus tout le monde, je vous embrasse.